On parle de reprise effective du travail dans les hôpitaux ce mardi. Il semble cependant que certains ne l'entendent pas de cette oreille. Je suis là depuis 6 heures. Bon, en fait, quand on est arrivé, on n'a trouvé personne. On a attendu jusqu'à 9 heures. Les femmes, les sages-femmes sont arrivées là à 9 heures. Bon, on attend maintenant qu'elles nous reçoivent parce que depuis, on a aussi attendu celles qui étaient là avant et après nous qui sont aussi passées. Mais c'est difficile. Je suis fatiguée depuis. Et quand tu rentres là-bas aussi, c'est un long truc. On va nous faire attendre, on va nous parler, tout ça. À l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise, le personnel est en mode service minimum. Un certain nombre de patients est reçu ici et les autres devront repasser le lendemain. Les infirmiers revendiquent la PIP. Qu'on leur donne ce qu'ils revendiquent. Parce que là, les pauvres sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que les hôpitaux sont fermés. Aujourd'hui, le service minimum a repris. Je suis là depuis 6 heures parce qu'il y a beaucoup de gens. On ne m'a pas encore reçu, j'attends qu'on me reçoive. Et ça, ce n'est pas bon. La maladie ne peut pas attendre comme ça. Donc, il faut qu'on leur donne ce qu'ils revendiquent. C'est l'argent du Gabon qu'on donne à tout le monde, à tous ceux qui méritent. Une reprise à deux vitesses qui laisse penser que la levée de la grève n'est pas du tout effective.